Eh bien, c'est... Je pense que c'est l'une des vidéos où vous allez au moins lâcher une larme. Ou pas, en fait, on s'en bat les couilles. Eh bien, salut à toutes et à tous, c'est Go, je suis Banzai, comme d'habitude. Aujourd'hui, nous allons voir des jeux que vous devez tous au moins connaître. Au moins un seul. Si tu ne les connais pas, j'espère que ton mollet, il est blindé, hein. Mon mollet, il est blindé, là. Quand j'étais petit, je jouais à certains jeux. Il y a des jeux un peu bêtes, d'autres très bien. Et bien aujourd'hui, on va les redécouvrir ensemble. Dans tous les cas, avant que cette vidéo commence, je compte sur vous pour écrire quelque chose dans les commentaires. Jagili a dit bou. Vous allez comprendre dans les vidéos. Donc vraiment, écrivez ça dans les commentaires. Et j'écoute vraiment tous vos avis dans les commentaires. C'est pour ça que je compte sur vous, les vrais, pour laisser un pouce bleu à cette vidéo. Ça me ferait super plaisir. Dans tous les cas, j'espère vraiment que cette vidéo vous plaira. N'oubliez pas de la partager sur Twitter, Facebook, Skype, tout ce que vous voulez, pour montrer à vos potes ces anciens jeux qu'ils doivent sûrement connaître. Je pense que ça leur fera super plaisir. Abonne-toi pour devenir un vrai si ce n'est pas déjà fait. Et bonne vidéo. Ah oui. Lui c'est normal, c'est Aziz, c'est mon petit poteau, il va nous accompagner, n'est-ce pas, hein, tranquillement. T'as pas intérêt à tomber toi, toi tu es moche. Aidez-moi s'il vous plaît, il me fait peur. On est sous Windows XP, Internet Explorer, allez à la corbeille, toi tu te caches, t'aimes pas. Oui, je m'en bats les couilles, allez. C'est pas halal tout ça, c'est pas halal. Regardez de quelle année, 1999. Lapin malin, lapin malin. Salut mec, ça va? Qu'est-ce que tu lire aujourd'hui? Quel livre vais-je lire? Ben oui, L'art de péter, moi je lis en ce moment. Qu'est-ce que c'est une très bonne lecture. Sur l'ordinateur de mes parents, et pour moi c'était le futur. C'était genre, oh putain, attention, j'ai joué à lapin malin, hein, rigole pas avec moi. Hein. Mon mollet il est blindé, hein. Mon mollet il est blindé là. On doit aller maintenant. Ta tête? Je ne sais pas. Ok, je l'ai niqué. D'ailleurs, ce que j'ai adoré, puisque évidemment pour avoir ce jeu, hein, j'ai téléchargé d'une façon totalement légale. Hein, allez maintenant. Alors attends deux secondes, ta gueule. Donc comme je disais. Sur le site où j'ai trouvé le jeu pour le télécharger. Et bah dans les commentaires, il y a un mec qui l'a écrit. Très sympa, avec ça je peux calmer les gamins. Encore merci. Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? Il y avait des bulles avec des animaux dedans. Smoke weed everyday. Bon, maintenant on va jouer à quelque chose que vous devez sûrement tous connaître. BAM! BAM! Dedans, regardez qu'est-ce qu'il y a. Il y a les petits trucs où là tu vois des enfants. On se demande où est-ce qu'ils vont, ils vont partir. Je pense qu'on les reverra plus jamais, les pauvres. Mais je suis con. Mais j'ai pas de lecteur CD dans mon ordinateur. Ah! Exécute-toi, je te jure, exécute-toi mon pote. Moi je joue à la Dibou. Mais qu'est-ce que je m'en bats les couilles. Eh mon... Toi t'aimes pas toi. Toi je t'aime pas toi. Moi je l'aime pas lui. What? Ah, mais c'est une blague. Non, non. Regarde ses oreilles de lâche. Et apprendre en calcul. Je vais faire du calcul, du calcul, du calcul, du calcul. Ici, c'est le coin des parents. Donc j'ai le droit de jouer que 2 minutes, 3 minutes. Cet animal est très long et a une petite langue fourchue. Et une petite langue fourchue, il t'encule ta race aussi en te mordant et en te mettant du venin. Et toi tu meurs en 3 minutes, MDR. Hé, hey, il est l'heure de nous quitter. Non. À bientôt. Pourquoi? Non, dis-moi, c'était pas... Alors maintenant on va jouer à ce jeu, c'est mon premier jeu Wii. Parce que c'est le jeu en fait qui donne gratuitement avec la Wii, voilà, toi même tu sais. Tout d'abord pour jouer à la Wii, sécurité. Parce que bon, comme on le sait tous, des fois il y a des petits accidents qui arrivent comme ça. Il s'est fait niquer sa mère. Tu te fous de ma gueule? Bré! Bré! Non, oui, on est en double! Bré! Chier! Oh, ça date! Bré! Ouais, je m'y en. Nous, on appelait ça les services ninja, je me rappelle! Bré! Wazé! Alberto! Wazé! 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 Wazé, miou! Le mec devant, il sert à rien! L'astuce, c'est de faire ça. Ouais. Je me rappelle la bonne époque de la Wii. On avait Nintendo sur la DS. Alors ça veut dire que je peux mettre un jeu de DS dans la Wii. Donc j'ai pris le jeu DS et je l'ai mis dans la fente pour mettre les disques dans la Wii. Résultat, on a dû aller chez Micromania pour la réparer. Et bon, voilà, moi j'ai pas dit que c'était moi. On n'a jamais su qui c'était. Panfou. Qu'est-ce que c'est Panfou? Je jouais beaucoup quand j'étais petit avec mon cousin. Mais petit, genre petit, hein. Malheureusement, ce jeu est devenu abandonné. Il y a plus personne. Voilà, donc c'est voilà. Regarde, on peut se bouger. Really, nigga? Perdez 26...
Non! Je suis pas gros! Grâce à une astuce bizarre de 1930, les mecs de Panfou, vous vous rendez compte que ce sont des gamins de 6 ans qui jouent à ce jeu? Et vous vous mettez ce genre de pub? Regardez! Alors d'accord, je clique! D'accord! D'accord! Ok, je vais prendre la carte bancaire de maman et de papa! Allez, c'est parti! Putain, j'ai envie de pleurer parce que ça me rappelle l'époque de la météo de Gulli. C'est la météo de Gulli! Animal Crossing, Asphalt, Call of... Call of sur la DS. C'est quelque chose. Peut-être que certains d'entre vous vont critiquer, mais c'est Animal Crossing. Et on s'en fout parce que Animal Crossing, c'est dans le cœur. Animal Crossing... Oh. Regardez quand on rentre dans ma maison. Déjà, il va y avoir des cafards partout. Et oui, vous allez voir, il va y avoir vraiment des cafards. Ce n'est pas une blague, regardez. Les cafards, voilà. Voilà, on va aller chez le coiffeur. Oh, je sens qu'elle va faire une connerie. Il a raison. Mais cette connasse, elle a trop regardé mes cheveux. Ok, je l'ai niqué. Oh là 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 là. Pom pom pom. Boum. Allez, boum. Diagueli. On dirait à chaque fois qu'il avance un boost, il fait Diagueli. Ça, ce jeu. Déjà, fallait tenir la DS comme ça. C'est un truc où on peut savoir l'âge de son cerveau. Alors, à l'époque... Qui avait dessiné une putain de grosse bite? Wow. Pour l'évaluation, l'âge cérébral idéal est de 20 ans. Bon, écoutez, là on va passer à du très très lourd. Boom, boom, boom. C'est la Game Boy Advance. On est d'accord que ce jeu est totalement défoncé. On remerciera ma bouche qui, déjà à l'époque, ça faisait à peine 3 mois que je l'avais, le chien avait déjà défoncé le jeu. Sympa. Ok, je l'ai niqué. Marche, t'en supplie, marche. Ah oui, on compte. Tan 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 tan. Non. Au revoir, mon pote. Pourquoi la console s'est arrêtée? Diagueli, Diagueli Game Boy. Je crois avoir compris. C'est à cause de ce... C'est toi, Adibou, avec tes Diagueli. Maintenant, vous savez qu'est-ce que vous avez écrit dans les commentaires. On vaincra Adibou.